Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous remercier, car vous avez été très nombreux à me soutenir dans la boutique ces derniers jours. Donc pour vous remercier, je vais faire un petit concours parmi ceux qui me soutiennent dans la boutique. Donc si vous ne me soutenez pas encore dans la boutique, c'est le moment de le faire, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir participer au concours. J'aimerais aussi vous remercier, car la semaine dernière, vous m'avez fait passer les 200 000 abonnés. Donc c'est vraiment énorme, merci beaucoup à tous. Et puis maintenant, j'aimerais bien atteindre les 250 000 abonnés pour être au quart du million. Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. Merci les amis de m'avoir libéré de ces premières chaînes, mais je ne sais pas comment retirer les autres. Vous avez pas des idées? Je sais pas comment faire, mais on dirait que c'est un sortilège qui relie ces dernières chaînes. Je connais peut-être quelqu'un qui pourra nous aider. C'est le grand maître de mon village d'enfance. Il maîtrise la sorcellerie. Bien, alors ne perdons pas de temps et allons voir ton maître avant que le roi des glaces n'augmente ses pouvoirs. Nous voilà à l'entrée de la ville. Le temple du grand maître se situe tout en haut des escaliers au fond. Très bien. J'espère qu'il saura nous aider. C'est notre seule chance de réussir. Halt! Vous vous approchez des portes royales. L'accès est interdit aux étrangers, je suis désolé. Je suis un membre de la communauté. Je connais le grand maître, ne vous en faites pas. On doit aller le voir, c'est une urgence. Je suis désolé, mais le maître a été attaqué la semaine dernière. On doit rester prudent. Vous pouvez passer, mais vos amis se doivent de rester dans la ville. Bien. Les amis, profitez-en pour visiter la ville et en apprendre un peu plus sur mon peuple. Je m'occupe de me renseigner auprès du maître. Le maître vous attend dans la grande salle, Glenn. Allons-y. Bonjour, Glenn. Pourquoi viens-tu me rendre visite dans mon temple aujourd'hui? Bonjour, grand maître. Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que mon ami est victime de sorcellerie du roi des glaces. Je vois. J'ai entendu parler de ces sortilèges. Viens, approche-toi. Je vais te dire comment te débarrasser d'une partie du sortilège. Tu vois la montagne là-bas au loin? Elle possède une énergie incroyable. Il vous suffira de monter à son sommet et d'allumer un feu pour briser une partie du sortilège. Quant à l'autre partie, je ne saurais vous aider, Glenn. Je suis désolé. Merci beaucoup, grand maître. C'est déjà super comme info. On va gravir cette montagne de ce pas. Bon, je retourne auprès de mes amis maintenant. Bonjour, étranger. Voulez-vous que je vous offre un spectacle pour vous faire découvrir notre culture? Bonjour, c'est justement ce qu'on cherchait à faire. Allez-y, on vous regarde. Très bien, tenez-vous prêt. Devant vos yeux va se tenir le meilleur dans son domaine. J'ai nommé... moi. Ouais, allez, montre-nous. Bon, c'est pas que je me fais chier, mais un peu quand même. Venez, Glenn doit avoir fini. Alors Glenn, le grand maître a pu te donner des informations sur le sortilège ? Oui, il m'a expliqué comment enlever une partie de ton sortilège. On va devoir gravir une montagne et y allumer un feu. Bon, eh bien allons-y. Une fois que j'aurai récupéré une partie de mes pouvoirs, on pourra aller affronter le roi des glaces. Nous y voilà. On est au sommet de la montagne dont le maître m'avait parlé. Tu n'as plus qu'à allumer un feu. Ok, il doit me rester assez de puissance pour allumer un feu. C'est parti. Wow, je me sens comme libéré. Mon bras s'enflamme, mes pouvoirs reviennent. On va pouvoir aller affronter le roi des glaces.
Où sont-ils tous passés? Pourquoi il n'y a plus personne ici? C'est pas normal. Il a dû se passer quelque chose. Tu as raison. Allons inspecter les alentours pour essayer de comprendre. Quelle bonne surprise. Je t'avais laissé une chance. Tu n'aurais pas dû te rallier avec l'ennemi. Je préfère me rallier avec eux que te laisser prendre le contrôle du monde, monstre. Je prendrai le contrôle du monde avec ou sans ton aide. Mais ton histoire s'arrête ici. Visiteur, visiteur, tu nous entends? Oui, je vous entends, mes amis. Le démon des glaces nous a attaqués pendant votre absence. Il est bien trop fort, on n'a rien pu faire. Ne t'en fais pas, le roi du feu a récupéré une partie de ses pouvoirs. On part l'affronter immédiatement, tiens bon. Bonne chance, John. Pour moi, il est déjà trop tard. C'est la fin de mon aventure. Mes amis, je vous aimerai jusqu'à là. Non, visiteur. Visiteur, réveille-toi. Glenn, c'est trop tard. Il s'en est allé vers un monde meilleur. Nous devons nous reconcentrer sur notre mission maintenant. Oui, il va payer de sa vie tout le mal qu'il a fait autour de nous. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mettons-nous en route. Tiens, tiens, tiens. Regarde qui vient nous rendre une petite visite. Comme c'est surprenant. On va enfin pouvoir en finir avec eux et diriger ce monde comme on le souhaite. John, ils sont là-haut. Tu crois qu'ils nous ont vu arriver? Bien sûr qu'ils nous ont vu arriver. Tu les entends pas rigoler d'ici? On va voir s'ils vont rigoler longtemps. Je vais attaquer en premier. Go, go, go! Bon allez, la plaisanterie a assez duré. Il est temps que je les envoie vers leur pire peur. Shalawika! Où est-ce que je suis? J'étais en train de me battre il y a quelques secondes. Ah. Pourquoi il y a mon reflet partout? Comment je sors d'ici? Aidez-moi s'il vous plaît! Cousin, reste en vie. Les amis, revenez à la raison. J'ai besoin de vous sur le champ de bataille. Les amis n'échapperont pas à leurs angoisses. C'est impossible. Non, je n'y crois pas. Ceci n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Nous revoilà. On est venu pour t'épauler. On ne te lâchera pas dans cet affrontement. Tu peux compter sur nous pour venir à bout de ce démon. On est avec toi. Non. Comment est-ce possible? Bien les amis, tenez-vous prêts à finir à 3. 1, 2, 3. Le roi des glaces s'enfuit, rattrapez-le.
Il a sauté, on ne peut pas le suivre. Mais s'il a survécu, on le pourchassera jusqu'à en finir pour de bon avec lui. L'heure de la vengeance a enfin sonné.